se passe pour vous, les Franco? Ça se passe super bien. C'est vraiment... Ici, en tant qu'invité ou alors vraiment pour le fun? Oui, pour un peu se détendre aussi, parce qu'il y a beaucoup de travail avant tout ça, après aussi, hein, après aujourd'hui. Mais c'est aussi l'occasion d'un peu se poser et de revoir des personnes qu'on aime, de se détendre un peu comme on le ferait dans la vraie vie de tous les jours, sauf que là on a vraiment de la bonne musique et puis des amis qu'on voit pas tous les jours. Voilà. C'est toujours fun ici au Franco? Oui, c'est toujours fun. Moi, en ce qui me concerne, c'est quand même toujours beaucoup de travail d'abord, mais l'ambiance est toujours extrêmement chaleureuse et c'est quand même malgré tout un grand plaisir d'être là. Voilà. Mais oui, en fait, il y a en présence la RTB4 Radio, mais en moins cette fois-ci, en moins en télévision. Pourquoi? Je n'ai pas compris. J'ai dit la RTBF est moins présente en tant que TV et en plus que radio maintenant, cette fois-ci. Ah non, la RTBF est autant présente cette année que les années précédentes, autant en radio qu'en télé. Il y a autant d'heures d'émission et je sais de quoi je parle. Moi, je fais 10 heures d'émission en 5 jours à moi toute seule. Oui, mais je parle en visuel, en TV. Non, la télé est toujours là, en plus c'est en prime décibel, c'est à 20h35, c'est pas en fin de soirée, donc non, il y a une grosse visibilité, autant en radio qu'en télé. Maintenant la visibilité est peut-être moins évidente qu'on est sur place parce que les installations sont peut-être un peu moins imposantes. Oui, voilà, c'est ça que je voulais peut-être dire. Mais en même temps, le travail est le même et le résultat à l'antenne est vraiment très similaire à l'année dernière, et au niveau qualitatif, rien n'a changé. C'est juste au niveau visuel où c'est peut-être moins imposant, mais je pense que c'est un petit peu le reflet de ce qui se passe cette année aux Francophonies de Spa. Il y a moins de grandes tentes un peu partout, moins de voilà. Un peu moins, mais en même temps, un peu moins peut-être pour mieux profiter de tout. Ben, espérons-le, de toute façon. Et vous pensez que c'est question de crise ou c'est question que la culture? En fait, il y a beaucoup plus de jeunes groupes aussi. Hein. Je pense que c'est une question de crise et je pense que c'est l'occasion de se poser la question de savoir si c'est pas le moment de donner plus de place à des jeunes groupes. Donc je pense que les deux choses se rejoignent. Merci. Et bon Franco alors. Ben, merci à vous aussi.